Montpellier accueillera l'équipe de France qui jouera 5 fois, la Finlande, la Russie, la Pologne, Israël et la Bosnie. 15 matchs sur Montpellier, 10 sessions de billetterie, on attend plus de 100 000 spectateurs, dont 4 000 Finlandais qui vont venir, qui ont déjà pris leur billet pour venir soutenir massivement leur équipe. Donc il y a 6 équipes, les 4 premières seront qualifiées pour la phase finale qui a lieu à Lille, où ils rencontrent, ils arriveront en 8e de finale. On sait déjà que Tony Parker sera présent, qui est notre icône. Boris Diaw sera présent aussi, Nicolas Batum, tous les jeunes joueurs français, Thomas Hurtel, qui est le régional de l'étape, qui a joué à Montpellier au basket aussi. On aura une belle équipe, ils sont tous motivés, ils ont tous fini leur championnat pour bien se préparer. On est l'équipe à battre, on a battu l'Espagne en Coupe du Monde l'année dernière chez eux, donc on est vraiment un peu l'épouvantail de cette compétition. C'est une belle salle avec énormément d'ambiance, le public a répondu présent. On avait plus de 8000 personnes à l'occasion de France-Espagne. Et Tony, donc, ayant vu ça, a monté son tournoi, la Partie Cup l'année dernière, qui a réuni plus de 14 000 personnes sur 2 jours. Donc ils connaissent la salle et ils aiment bien jouer. Ce sera la 3e fois pour certains joueurs de l'équipe de France.